m'appelle Alexis Ramonet, j'ai 28 ans, donc je suis joueur de handibasket, originaire de Dijon. Je suis parti à mes 19 ans, donc au club de Bordeaux, ici, juste à côté du Krebs, pour profiter aussi de ces structures. J'ai fait le choix d'aller à Las Palmas parce que je voulais découvrir une autre culture. Donc j'ai voulu acquérir une autre expérience, donc c'est-à-dire d'un championnat étranger avec différents joueurs, une autre intensité et une autre mentalité. Alors, être en équipe de France, c'est avant tout une fierté de pouvoir représenter à l'heure actuelle notre pays, représenter tous les autres sportifs aussi, tous les handibasketteurs. Voilà, c'est nous qui sommes regardés par ces joueurs, c'est nous qui donnons l'envie aussi à de nouveaux joueurs de pratiquer cette discipline. Donc c'est une fierté et une grosse responsabilité d'être dans ce collectif. C'est un événement qui reste très important, c'est quelque chose qui va donner enfin de la visibilité à notre sport. Donc c'est un événement à ne pas louper et ça tenait à cœur de tout le monde de pouvoir se requalifier à nouveau pour les Jeux Paralympiques. On a eu une grosse préparation, que ce soit individuelle et collective. Donc on a eu énormément de stages, de tournois pour avoir justement cette cohésion entre nous, puisque voilà, on vient de différents clubs, donc on a eu besoin de se retrouver pour pouvoir travailler ensemble. L'objectif, c'est avant tout de prendre du plaisir. En vue des résultats, on est juste là pour... On n'a rien à perdre. On est entre guillemets outsider, puisque ça fait 20 ans qu'on n'a pas été présent sur ces jeux. Créer la surprise, aller le plus loin possible et pourquoi pas un podium. Alors j'espère que l'engouement qu'il y a eu sur ces Jeux Olympiques va être reconduit sur les Jeux Paralympiques, puisque tous les Français ont répondu présents pour soutenir les équipes de France. Alors on vous attend nombreux pour nous encourager et découvrir la magnifique discipline qu'est l'handibasket. Le blanc rouge, oh.